Salut. Voilà, salut, la conférence Sony est en train de commencer. Vous inquiétez pas. After party, c'est parti, on bascule chez Sony. Ah, pour l'instant, oui, non, mais d'accord, ça commence pas vraiment. Hein. Pour l'instant, nous avons l'attente. Avec la musique du pif. Ah, mais oui, on va parler de Dreams, sûrement. J'ai vu d'ailleurs un stream Twitch de Media Molecule sur Dreams, qui était hallucinant, hein, au niveau de la création musicale, et c'est du gros délire. Hein. On peut créer des machines en mode à la Reactor, créer ses propres synthés, faire 40 000 trucs... Enfin, Dream, c'est taré, hein. Ils sont vraiment partis très très loin dans le délire. Et j'espère qu'on aura un aperçu, un peu une démo technique de Dream, qui a l'air vraiment absolument infinie en termes de possibilités. Encore faut-il avoir la patience, bien évidemment, de s'y mettre. Mais en gros, le mec crée son propre environnement musical, avec ses propres synthés, sa propre interface, finalement, son propre clavier qu'il a assemblé... De bout en bout, on fait les liaisons de câbles comme si on avait des consoles de mixage. C'était débile. Hein. Alors, c'est où que vous voyez la salle du coup? Ah, sur la JVT, partout sur Twitter. Bah, non, je vais pas me spoiler. Alors, quoique, vous m'intriguez. Je vais aller sur l'accueil sur mon fil Twitter. Ok, bon. Pour l'instant, je la vois pas. Parce que ça, entre guillemets, c'est pas vraiment la salle. Hein. Ou bien oui, c'est sur la scène qui est... Ou bien c'est une scène virtuelle. Donc j'essaie de trouver l'info. Ah oui, d'accord. Ah non, pas du tout. Ah mais c'est quoi ce délire? Il y a tout le public sur la scène de la JVT. C'est du gros délire. Ah, sur le Twitter de Chloé? Ok, on y est. Attention, un peu de violence graphique, visiblement. On y est. Please welcome Sean Layden. Allez, bienvenue à Sean Layden. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hey guys. Allez, n'hésitez pas, sur le côté, il y a des merguez et de la bière. Bienvenue. Bienvenue. And thank you for making the time tonight to, oh là, il y a de l'arsène. To come to church. Merci d'être venu à l'église. This fulfills your obligation for the coming Sunday, for those of you who need to know that. Ah, et le stream rame. But thank you. Ok, c'est un stunt par rapport à un jeu, mais ça rame. As large as it is tonight, under this single tent. C'est beau de voir que vous êtes aussi nombreux sous cette tente. Because you remember that movie, Kingsman. Vous vous souvenez de ce film Kingsman? Attendez, ça rame un peu. It doesn't end that way. Ça va ne pas se terminer comme ça, ne vous inquiétez pas. Thank you. And as you can see from this evening, here again at PlayStation, we've decided to mix it up. Ici à PlayStation, on a décidé de changer un petit peu les choses. Par rapport à ce qu'on fait à l'E3 d'habitude. On a une histoire à raconter, à partager avec les gens ici présents sur place et sur Internet. Ce soir, on va plutôt, par rapport à d'habitude, vous emmener profondément vers des titres clés que nous sommes en train de développer et produire. Et vous allez voir ce qui est préparé pour le futur de PlayStation. Putain, le stream RAM par contre. Hein. Nous voulons vraiment prendre notre amour du gaming et le faire chanter très fort. Le gaming, c'est plus qu'une vocation, c'est un appel. Nos équipes de créatifs et de studios, ils n'ont pas le même flux. Ok, je vais aller voir. Attends, je tente. This coming year is going to be all about those kind of games that we can deliver to you in a way that's going to blow your minds. And tonight, we're beginning here in this tent. This church tent we've created here in Los Angeles to let you start that journey with us. Let us tell you our stories for the next hour or so.
So, without further ado, allez. It is my great honor and my unique privilege to invite to the stage and introduce to you Gustavo Santaolalla. C'est bon, on récupère le truc. Désolé, c'est bon, on n'a pas loupé d'annonce. Tout va bien se passer, on est sur le live feed PlayStation, ça marche mieux. Twitch ne nous lâche pas. C'est évidemment The Last of Us 2. Allez, on ouvre en musique comme l'année dernière avec Bear McCreary pour God of War. Avec cette belle interprétation au banjo. Et on va sûrement enchaîner avec du nouveau contenu pour The Last of Us 2. Whenever you're scheduled to go out. Yeah. She's putting on quite the show. I give you guys 2 weeks to sleep back together.
Not gonna happen. She, say something to you? Make it 1 week. Ellie! Hey! What took you so long? Well, I'm here, aren't I? Elin? Jesse. Hey, don't forget we leave at first light, so get some rest. Yes, sir. Such a dick. Come on. Why don't you start with me? Okay, I have a very serious question for you. How bad do I smell? Like a hot pile of garbage? Oh. Okay. Oh. How about that? Gross. You love it. Every guy in this room is staring at you right now. Maybe they're staring at you. Or not. Maybe they're jealous of you. I'm just a girl. Not a threat. Dieu que c'est beau. Out.
She came through here. Damn it. Double back. Go. Ok, Naughty Dog évidemment. Il y avait peut-être du script en effet, c'est même sûr, mais quelle beauté, les mouvements naturels, la lumière, le dynamisme dans les combats. Ça donne. Faudrait peut-être que je fasse le 1 hein, finalement. That was a new look at The Last of Us. Donc voilà, c'était un nouvel aperçu de The Last of Us partout ici à Los Angeles à l'E3.
On fait une... Ah d'accord, c'est ça. On va faire une petite pause pendant que les gens sont déplacés vers une nouvelle partie de l'expérience. Donc voilà, c'est un gros délire. Ils vont basculer d'ambiance en ambiance. Et on comprend mieux le move de la grande tente, la grande salle des fêtes pour le début de la conférence. Ça change. Hein. Et Sean Layden est là, du coup. I thought you were just on stage. How did you get up? Alors, vous étiez sur la scène. Voilà, je me suis téléporté à travers un tube. C'est formidable. C'est génial d'être ici. Et je pense que c'était un début très très puissant pour le début de notre conférence. Donc évidemment, en tant que chairman des studios mondiaux, vous travaillez au plus proche des studios. Où en sont-ils du développement de Last of Us 2? I mean, they are everywhere. They're looking at what can do in the next iteration of the Last of Us. Ils sont partout. Ils essayent de voir tout ce qu'ils peuvent rajouter sur Last of Us 2. Ce qu'on a pu voir ici montre l'impact et toutes les améliorations, toute cette tension dans la séquence de combat. Et on va avoir un jeu très large et très engageant et qui ne vous fera pas seulement penser en tant que joueur, mais également en tant que personne. Looking obviously incredible. And speaking of incredible, alors, en parlant d'incroyable, les Worldwide Studios récemment, c'est fou, Horizon, God of War, bien sûr, et Detroit Become Human. Quel est le secret? Qu'est-ce que vous faites? Oui. T'en as un petit peu sur le coin de la lèvre. Donc moi, mon job, c'est surtout d'enlever les rochers de la route afin que les équipes puissent avancer de l'avant, leur donner une grandeur de vision, etc. Nous avons 13 studios à travers le monde et j'essaye de leur donner le plus de contrôle de qualité possible. Et ces 12 ans, on n'a pas arrêté d'améliorer le contenu, le visuel. C'est assez fou ce qu'on sent maintenant. Et en parlant de rendre les fans heureux et heureuses, on parle de God of War. God of War s'est très bien vendu, a été évidemment accueilli incroyablement par la critique et les fans. J'en reçois énormément de tweets concernant un New Game Plus sur God of War. Est-ce que vous et Santa Monica pensez à ça? Avec les réseaux sociaux, maintenant, on a énormément de feedback en temps réel. Et évidemment, mes notifications sont pourries toute la journée. On prend tout ça sérieusement. Et je suis heureux de vous dire que les équipes y travaillent. Tant que quelqu'un qui a réussi à terminer God of War malgré le fait que j'ai un enfant de 10 ans chez moi, je suis très content. C'est formidable. Merci beaucoup, Sean. C'est génial de vous avoir là. If we can create functionality and features that allow people to spend more time in the worlds we build, that's by definition a good thing. Excellent. Fantastic. So New Game Plus, that is confirmed. Donc, New Game Plus confirmé pour God of War. Details on PlayStation blog shortly. Sur le PlayStation blog, il y aura bientôt tous les détails concernant ceci. Alors, il y a à peu près un mois, vous avez fait quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Vous avez dit que vous avez parlé des quatre jeux qu'on allait sur lesquels on allait se concentrer ce soir. Voilà. Les histoires que nous avons à raconter vont également définir le design. Donc là, on a envie d'aller vraiment en profondeur sur ces quatre jeux, sur les histoires qu'on essaie de raconter, la manière dont elles vont être exprimées. Last of Us 2, qu'on vient de voir, Death Stranding, Spider-Man et Ghost. To have some big flashy new idea come out or some big surprise come out. Come here and sit with us and walk with us as we get through to see the plus que des grosses surprises, c'est juste voilà, venez rejoignez-nous et appréciez ces histoires et ces expériences où on va vous amener. Well,
they're all fabulous, and I think the teams are really crushing it right across the board. But, fair enough. But one thing I would say is there's one of the games that we're having out today that will be playable in 3 months. Il y a un des jeux qu'on va montrer ce soir qui sera jouable dans 3 mois. Spider-Man. See a lot of that tonight, and I think et on va beaucoup le voir ce soir, et je pense que tout le monde à la maison sera content. Trade notes with the chairman of Worldwide Studios. It's great to see you guys. I'll head back to the pneumatic tube station then. All right, please. Allez, do. Il va se re-téléporter. We do have a lot more in store coming up in just a few minutes. Beaucoup de choses à venir dans les prochaines minutes. Mais en attendant, nous avons d'autres updates en attendant que Sean se téléporte. Call of Duty, bien sûr. Call of Duty fait l'Espagne. Call of Duty, les briquets, les stylos. Maps in Call of Duty Black Ops 3 only when you pre-order voilà. Call of Duty Black Ops 4 from PlayStation Store. Le retour de map Welcome classique back. De Black Ops sur Call of Duty Black Ops 3. On est de retour. Encore pendant la pause yeah. entre les deux gros jeux. What's happening? Et on va parler de quoi donc? Good to have you guys back. It's good to be back. Friendly yeah. faces right before the showcase. Absolutely. Yeah, excellent. So I say we keep this moving here. Alors, and, when it comes avançons. To Call of Duty, we know that a bunch of remastered maps from Call Black Ops Duty, 1 and Black voilà, Ops 2 are making their way to Call of Duty Black Ops 4 des cartes de Black Ops 1, 2 day. Qui arrivent But what we just en map pack here sur is Call of Duty maps, 4. Those classic maps are coming to Black Ops 3 as well. For those et ces cartes classiques débarquent également sur Call of Duty Black Ops 3. Call of Duty Black Ops 3. Well, that's where it gets a little more interesting, my friend. Oh. So tonight we are actually ce doing soir. A surprise PlayStation Plus game drop. Ah, on va lâcher un jeu spécialement pour les utilisateurs de PlayStation Plus. Call of Duty Black Ops 3 est gratuit ce mois-ci pour les membres de PlayStation Plus. Get a little treat. Get a little tasty treat. Little mid-E3 supply drop for you there. You know, we've been sharing a lot of good news. We got to share 5 really cool announcements last week when we did our countdown, kind of ramping up vraiment cool showcase. De notre côté à Call of Duty pendant That's qu'on right. a fait we notre compte à rebours. E3, and that was 5 game reveals and updates over a span of 5 days. A lot of great voilà. stuff announced. 5 jeux annoncés en 5 jours. D'accord, Sony, du côté de chez Sony. Eh oui, énorme Tetris Effect, le Tetris du LSD, également jouable en VR. Days Gone, annoncé hein, déjà précédemment. What is this? I have to figure out what happened. Okay, wake up, focus, remember. From the creators of Fee and Flipping Death. You look like you've seen a ghost. That's the spirit. Comes a heartfelt story in VR. But really, who are you? Et Ghost Giant sur VR. Ah, le jeu des sabres laser. Le jeu musical des sabres laser. Qui paraît-il est très drôle, hein. Beat Saber, bien sûr. Wow.
Welcome back. We're just a few minutes away from the E3 PlayStation showcase. Ça y est, à quelques minutes, évidemment, hein, on va avoir ces micro-annonces. Mais le cœur, la viande de cette conférence va se passer à chaque fois dans ces quatre hubs, visiblement, créés pour l'occasion. Et nous sommes en train de retourner progressivement vers le gros événement. Juste avant, cette prochaine licence, 6 milliards d'heures, une communauté extrêmement loyale. Non, non, pas ça. Pas comme ça. Suis-je encore en ligne? Oh là là. Pas comme ça, Zinedine. Pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Attendez, oh là 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 là, incroyable. Pourquoi? Je vais aller sur le co-stream. On est vraiment... Ok, oh là 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 là. Et maintenant c'est le restream Twitch qui fonctionne. C'est pas moi, c'est eux. Bah là, Ami sur le stream Twitch, il rame aussi. Est-ce que ce monde est sérieux? C'est bon. Allez, le restream Twitch qui a l'air de stutter un peu, mais au moins il fonctionne. Destiny 2 Forsaken, donc. That was a powerful new look at Destiny 2. Ouf. Forsaken is coming out September 4th on PS4. A lot of great enhancements and content for that one. Je retente également à PlayStation. Chez PlayStation, c'est la fin du monde. There's a lot of buzz about that Gambit mode coming up. And guess vous inquiétez pas, hein. J'essaye un maximum. Ouais, le restream, le stream PlayStation est down, figurez-vous. Donc on reste sur le restream Twitch. Tout va bien se passer. Thank you so much for watching. We've got a lot more. Ce n'est pas ici, c'est chez eux. But for now, I think it's almost time. Terrible pour Sony, ça, ce qui est en train de se passer. People waiting. Let's get to it. We have so much more to cover. Okay. Got a lot more in store. Yeah. Allez. So let's check it out live right now. C'est parti donc. On retourne. Espérons qu'il n'y ait pas de stutter et encore de l'ambiance musicale. C'est parti. Thank you.
J'hésite à rebasculer chez Sony, on va rester là pour l'instant. Sony est revenu. Nobu, come! Attention, les lags peuvent venir du stream Twitch. On n'a pas rebasculé sur Sony parce qu'on était en pleine transition. Late. You're impatient. Where's the monk? The bastards beat me to him. Now they're torturing him at the temple. Come on. You think the monk's a hero? We need him, Masako. Down. We could take them. No. Remember Sago Bridge? We strike quietly, and they kill the monk. Don't do this!
the exits. Just get that book. In Amaran Lahus's band, Nila will not dare to give Vita Hokito. Please, I do not understand. Uldath we chamagotun hami. Usmi che yaven sagt, chi obelatno. Reinforcements. We have to move. Masako! Stand aside, Jin. You betrayed my family. Run! We fight. Mongols win. They already won. That's our enemy. Ghost of Tsushima, on va basculer sur le stream PlayStation parce que c'est plus beau et si ça rame pas, c'est synchronisé parfait même, donc on va tout de suite synchroniser sur Sony. Quelle vie, hein. Ce n'est pas de notre fait, on s'excuse. Toute la MV Production s'excuse. Magnifique en tout cas ce qu'on vient de voir. C'est sur Dreams, j'imagine. Oui. Ou pas du tout. The oldest house is a shifting place. There are rules and rituals. You can keep traveling deeper.
Bon, chez Sony aussi, ça rame. Alors, qu'est-ce qui se passe, les gars? Intriguant. Ouais, on va basculer sur YouTube, hein. Excusez-nous, Twitch. Control, donc. Nouvelle licence qui a l'air un peu folle. Nous basculons tout de suite sur YouTube E3. Remedy Games. On s'excuse, on fait au mieux. On fait au mieux, les amis. E3, PlayStation, English. J'y crois à mort. On fait ce qu'on peut. Excusez-nous, Twitch. Ah bon, en plus, il y a du retard sur YouTube, c'est parfait. Et en effet, ça a l'air bien mieux. Donc voilà, on n'a rien loupé. Ok. Contrôle donc de Remedy et 505 Games. Évidemment, c'est la hype. 2019. Et on enchaîne. C'était attendu et il est là. Jesus Christ. Money's in my account. Always a pleasure. Attention, all citizens. Due to the citywide outbreak. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Whatever it takes to save this city. Surprised you made it this far. Need info on my extraction. Survival's your responsibility. God damn it. Will you help me? Of course. It's an impressive display of strength. But we never meant for this to happen.
It's coming back! Le gros 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 remake de Resident Evil 2, 25 janvier, c'est pas si loin. And the co-creator of Rick and Morty. Hey, what's up, everybody? I'm Bathtub Guy, and we're here at E3 to take some looks at this new game I'm going to show you right now. Trover Saves the Universe. Let's give it a look. Oh, whoa. There's some action platforming stuff in this little piece of shit. I'm the Bathtub Guy. I'm always in my bathtub, but, you know, that's not about me right now. It's about this game. Whoa, look at that. That's exciting footage I just saw. Oh, I'm playing it right now. Look at me. I'm a cool cucumber over here playing this cool game. Jesus Christ! Oh my God, somebody call 711 because that's the emergency dial number for this in this weird part of the galaxy because this is a sci-fi based thing. Help! He's got electrocuted. Trover Saves l'univers des créateurs de Rick et Morty et Squanch Games, donc également jouable sur PlayStation VR, visiblement. On n'a pas vu grand chose, à part que ça a l'air d'être un long jeu de plateforme. Yo, ho, allez, Kingdom Hearts 3. Yo, ho, a pirate's life for me. Why are you so happy? 'Cause we get to be pirates again. Yep, you always did like this world. Still, it's a real shame we don't have a bigger ship. Jack Sparrow! Organization? Yes. Surprising, isn't it? Jack, don't you give this creep the time of day. Sora, stand down. Et le retour de Jean-Michel Hausson et la chanson. Mustn't strike a pirate aboard ship when said pirate offers to confabulate. I'm looking for a box. Get them! Sora! Only? They have come for us. Wait! Oh no! Stop! Farewell! Arendelle is safer with me staying up here. Oh, please, go away! And the Unversed collected enough screams and sadness from those children. Yeah, and the whole time they were trashing our company in the process! You're following her. Maybe she's one of the seven pure lights we need. The new seven hearts. Now, set your heart free. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. In fact, your reward might be right around the corner. Hey, Axel. Huh? Hey, liking the look.
Cut your hair, too. Et encore des personnages en plus pour le Kingdom Hearts Universe. On va juste ne paniquer pas, je vais fermer des trucs. Tout va bien se passer. Hop. Et une PS4 édition limitée, PS4 Pro, Kingdom Hearts. Et également le remix HD 1.5, 2.5. 2.8. Ah, Kingdom Hearts, faut suivre, hein. Oh, d'accord, un package tout en un, seulement sur PS4. Kojima. Sam Porter Bridges. The man who delivers. Tears. A chiral allergy. So, you have dooms, like me. What's your level? I've got the extinction factor, but I think you got me beat. You can see them, right? No, but I can sense them. Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. I can't help you with that. I make deliveries. That's all. A silent, faulty feeling. A silent fault. A silent. Yeah.
return. Watch yourself. Those things never stay gone for long. The time fall fast forwards whatever it touches. But it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sam Porter Bridges. Sam, what's your status? Kyrellium density is still increasing. My status is fucked. There's tons of them. Can you sit out the rain? No. They're closing in on my position. I have to move before they realize I'm in here. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure. But the surrounding area will still be a crater. I got an idea. Stranding, Kojima. On a quelques éléments de réponse en plus, c'est pas assez, c'est encore flou. Elle parlait du temps qui accélère tout, tout ce qu'il touche. On a vu ce vieillissement sur la peau. Donc un ennemi invisible. You still don't know who Et I am, évidemment, cette étrange séquence avec le bébé qui semblait faire refleurir le monde et voir la menace. Et voilà, on n'a pas vraiment eu de vraie phase de gameplay, pas d'explication. Mais c'est assez différent, évidemment, pour être intriguant. Allez, Tecmo Koei, Ku Shibuzawa Production, ça me rappelle Romance of the Three Kingdoms, mais ce n'est pas le propos, bien sûr. Petit teaser pour Nioh 2, le Dark Souls asiatique, entre guillemets. Le stream Sony officiel tient et j'ai full retard, c'est pas grave. Au moins sur YouTube, on n'a pas d'embrouille. C'est vrai qu'il y a Sekiro, hein, du coup. Care about.
but I can't reach them over radio. Their comms must be down. What's your status? Already here. Yuri? I thought you said it was secure. It was. Let's go. Maybe it's not as bad as it looks. Love the optimism. But in my experience, when it looks bad, it's usually worse. Look out! Yuri! I'm slipping! Gotcha. Hold on! You okay? Yeah. Welcome to the party! Just in time for the fireworks! Looks like we made parole, boys! I'm out! Electro? Why is he letting everyone out? I'll head for the main control center and see how bad the situation is. Got it. I'll go join the party. Everyone just quietly go back into your cells and lock the door behind you. Okay? Please? With every criminal I've put away in the last 8 years. No biggie. Electro must be working for someone. This is too good to be true. Scorpion, can you hold on a minute? I was in the middle of a phone call and it was business. Spider-Man, I thought this was a chase! Gotta stop this guy. Ah bah voilà. If you tell me who you're working for, I'll go easy on you! Can't stop it! But I'm flattered that you still try! Nobody ever takes me up on that offer! Long time no see. We're going to have so much fun. Sorry, no time to talk. No whiskey, huh? Okay, I got the security cameras back online. How's it look? Well, it looks like the entire population of the raft has escaped. That makes 5 of your worst enemies that are now on the loose. For a second there, I thought you were serious. I am serious. I have to go. Some of them are heading into the city. This is nuts. Almost done!
stop! How do you like my new suit? Dashing. Where'd you get it? It's an exclusive club. If you don't want to. We definitely want to! Spider-Man, donc ça y est, on l'a vu, grosse session de gameplay beat'em all, puis de poursuite, et clôturée par une cinématique épique. Y a à boire et à manger, je pense. That was the PlayStation showcase. A lot to le take showcase in. De l'E3, la conférence de l'E3. Studios titles. We actually got a little more to share here. Coming right up, we're going to have first live gameplay of Marvel Spider-Man. Après, right on aura here, un petit peu, dans quelques minutes, l'après-conférence avec du gameplay live de Spider-Man. Oh my gosh. Pop highlights, go. Oh. Bon, et là ça va être la branlette en cercle. Ok, c'est déjà fini donc. Une fois de plus, ouais, il nous a manqué quelques dates. On l'a dit, on nous a vendu, comment dire, une expérience et une ambiance, hein, on l'a vu dès le début avec The Last of Us 2, hein, qui est sublime. Et on nous avait promis également pas trop d'annonces justement dans l'espace, dans le futur. On s'est concentré sur 4 gros jeux. Et voilà, alors pas de FF7, mais bon, c'était convenu, hein. C'était convenu qu'il n'allait pas avoir de FF7, calmez-vous. Death Stranding, plus d'une heure, oui, bon voilà. C'est pas si mal, surtout, bon, on notera qu'il y a pas mal d'exclus. Mais c'est vrai que, oui, tout le monde avait l'air un petit peu stun à la fin, en mode qu'est-ce qui va se passer, il y en a encore, au secours. On avait toute la conférence qui était rythmée avec Dreams, mais finalement on n'a pas vu de nouvelles choses, on n'a pas vu de jeux indépendants. On s'est vraiment concentré totalement sur sur des grosses productions Sony. Ghost of Tsushima, c'est pas facile à dire, Ghost of Tsushima qui est sublime, bien sûr, dommage qu'on ait eu quelques problèmes, je sais pas si je remonterai la conférence. Au niveau de la vidéo, c'était, enfin l'ambiance était magnifique, l'effet sur les feuilles, etc., les visuels, la mise en scène, c'était magnifique. Merci Madeleine Majan, une fois de plus, bonne nuit.
Mais voilà, mais c'est déjà fini Death Stranding, la drogue, hein, tout le temps. On n'a pas eu vraiment du hands-on gameplay avec les explications de Kojima. Mais bon, voilà, est-ce que Kojima va vouloir donner des explications finalement? Parce que en laissant le mystère flotter, évidemment, en laissant spéculer tout le monde. Et les plus fragiles d'entre vous être en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce fœtus dans une capsule, au secours, sortez-moi de là, pourquoi il s'arrache un ongle, et ben ça fait la com, hein, ça fait la com tout seul, ça fait le café. Qu'est-ce qu'on nous propose? Il y a vraiment quelque chose là? Ah, aren't you excited? You're going to be a fairy. And live in the world where time stands still. Where nobody can see what you're up to ever again. Déraciné, okay, that's, From Software, nouvelle licence, From Software, exclusif sur PS4, très artistique, on ne sait pas debut, pour l'instant de quoi let's get cela va parler. It is time. We have some folks from Insomniac. We sure here. We do. Brian, Adam, gentlemen, hey. Welcome hi. To the program. Surprenant. It's so great to have you here. I just have to say, first of all, thank you guys for giving us your time. Merci, arrête de frotter ton micro. Happy to be here. And also, congratulations, kind of closing out some of the show there with Marvel Spider-Man. It's how does it feel? Évidemment, it's là, on a, surreal. We've been working on it for a while. On a les devs so, pour Marvel. It's nice to be here. Versus Spider-Man, alors que même YouTube galère en ce moment. Bon, bah c'est cool, hein, petite surprise en plus. Alors, non, c'était pas censé être dans quelques différences, c'est ce que j'ai déduit. Mais finalement, non, on a commencé l'expérience dans cette tente pour Last of Us 2, et ensuite, ouais, on a investi. C'est vrai que ça aurait été, au niveau de la logistique, ça aurait fait beaucoup plus de pauses et ça aurait été infernal à tenir. Mais on n'a pas revu Sean, hein. Sean, il se devait se téléporter et réapparaître. Mais pourquoi on entend un mec parler en français? Pourquoi il y a un mec qui parle en français au talkie-walkie? Ouais, Michel, débranche mon micro, je crois qu'on m'entend là. La caméra sur le gamin. Yeah, this. Oh God, oh, this, so good. This is great. I got my own little TV. This is perfect. Yeah, I got it all. Adam's doing a fantastic job so okay, far. Really so on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Yeah. That's right. C'est terrible. C'est un hack. C'est des talkie-walkie qui pissent dans les micros de la conférence, à moins que ça soit Robert qui soit en train de passer avec son camion et qui fait le con sur la CB. Énorme. You know, obviously it's a big narrative-driven experience, but at okay. the same time, part of that superhero fantasy, especially that Spider-Man experience, is living within New York City and seeing that. So,
On se concentre sur Spider-Man donc à New York City avec un peu plus de gameplay, le gameplay traditionnel on va dire, en extérieur du jeu. Et le combat, donc hommage aux anciens Spider-Man. Évidemment, si, si vous avez juste joué au jeu Batman, vous êtes aussi pas trop dépaysé. Avec beaucoup d'improvisation, justement, et de réaction. Ce qui a vraiment été cool ces 6 derniers mois au niveau du développement, chaque semaine, j'emmène une build du jeu chez moi, je l'essaye et je découvre de nouveaux trucs et je suis émerveillé par ce qu'ont fait les développeurs. Ah oui, c'est un waypoint à l'Assassin's Creed qu'on vient de voir. Terrible. It's gorgeous. These animations. Et c'est vrai que le jeu est magnifique, les animations sont belles. Pas de souci là-dessus. Ensuite, voir ce que ça donne. Niveau gameplay, on voit la ville animée. Ah, salut. Ouais, les animations sont vraiment un des points forts de notre société, enfin de notre entreprise. Sunset Overdrive reviews came out. One person actually wrote. It would be great to see Insomniac make a Spider-Man game. And I was like, see, we should make it. See? And you waved your phone around to the whole studio. Exactly. We took that kind of mentality and we just injected our kind of our personality. Donc, on a pris la mentalité. Alors, ils s'inspiraient d'un jeu, j'ai pas entendu lequel, et ils ont mis leur propre idée pour ce jeu Spider-Man. Probably around the end of the year, end of last year, someone wrote an article about. Ça serait vraiment bizarre quand même que ce soit pas la fin de la conférence. Parce que là, ça ressemble tellement à un after show. And I love this traversal. I mean, just the fluidity of just moving over great distances very quickly. It looks like a lot of fun. Évidemment, le mouvement de, avec fluidité sur de très grandes distances. So you know how I kind of said like experimenting, but like Spider-Man. Sometimes you know, I mean, game development. We're in meetings a lot, and then sometimes you see prototype. Okay. And what I used to find myself doing was just swinging around New York City. It was almost like non l'état de la chute de 20 mètres. J'avoue. Ça, on avait vu l'année dernière, d'accord. Oui, non, parce que le mec a clairement dit oui, on se retrouve après la conférence pour du gameplay sur Spider-Man. Donc, a priori, c'est fini. Et là, c'est ça. Là, il change de salle, il se retrouve dans un bâtiment de la Shinra et il montre 30 minutes de Final Fantasy VII Remake. Incroyable. Non, ça ressemble quand même lourdement à de l'after conférence. That is amazing. This is so cool. What's this focus meter about? Yeah, so the focus meter. Semblerait qu'il y a peut-être une troisième partie. Il change de salle. Non, mais c'est vrai, c'est pas des conneries ça. It's having a religious experience. It just looks incredible. Peut-être. Thank you. Ah, la tension est à son comble sur ce qui est une conférence et une VOD qui sera extrêmement confuse. Je sais pas, on le dit au MP. Oh, je comprends plus rien. Ça sent le prank un petit peu à la mode. Non mais tape-toi les 30 minutes de crédit de God of War, tu vas voir, il y a un truc de ouf à la fin. Terrible, un terrible prank. J'en ai encore des séquelles. Thank you. You got to be precise. I got it. One of the first questions I get is like, is it an origin story? I'm like, no. That was like, after we decided that the webs were definitely attached to the buildings, we decided it's not going to be an origin story. But you know, back to the combat. Ça serait quand même extrêmement bizarre, hein, parce que là, autant la salle des fêtes de Bondy, c'était rigolo, et pour le coup, finement joué de la part de Sony, pour un petit peu changer ce qu'on voit depuis des années en termes de conférence, là, ça n'aurait aucun sens d'interrompre tout ça par un happening en mode Robert et Roger s'installent autour du comptoir et parlent de Spider-Man pendant 15 minutes, quoi. Alors, it's kind of giving over time. If we just, you know, one thing with something like E3, you know, we want you to feel great, right? But there's a lot to learn really quickly. Même si j'avoue, ce petit supplément From Software, c'était bizarre. Ouais, on voit tout le monde là est en train de bouffer des saucisses.
sous les tentes. Il semblerait en effet que la conférence ait touché à sa fin. Incroyable. Moi j'ai envie de dire, on peut dire que c'est terminé. On laisse le truc tourner dans le fond parce qu'on sait jamais. Le temps est venu de faire un petit sondage. Ah oui, mais c'est vrai, on est en sub-only. Parce que évidemment, c'était intenable. On va lâcher le sub-only là pour la fin du stream. Microsoft ou Sony, point d'interrogation. Microsoft, Sony. Pire 3 ever, de toute façon, tous les jeux sont moches, c'était mieux avant, lol. Et attention, dans quelques instants, c'est le sondage avec Svetlana, les sangliers sont lâchés, subscribers off. Voilà, hein, vous pouvez faire votre choix. Pour l'instant, plutôt Microsoft, plutôt Sony ou plutôt Pire 3 Ever. De toute façon, tous les jeux sont moches, c'était mieux avant, lol. Voilà. Alors, ça c'est vraiment le choix pour vous, hein, pour vous évidemment. Je sais que vous en avez gros sur la patate. Oh là là, égalité parfaite pour l'instant entre Microsoft et Sony. On va dire que la conférence de Sony, à mon goût, avait plus de cœur et plus de wow factor au niveau de ce qui a été présenté, parce que vraiment, que ce soit Death Stranding, autant soit-il dominé par la drogue, Ghosts of j'arriverai à le dire un jour, et bien évidemment Last of Us 2, c'était sublime à tomber, mais Microsoft avait un bien meilleur tempo, il est vrai. Et beaucoup plus de contenu au final, même si certains de ces contenus étaient finalement des Reddit de third party. Mais j'ai envie de dire qu'il y avait des choses intéressantes à prendre sur les 800 sur. Mais c'est normal, il y a les gens qui dorment, il y a les bots, il y a les gens qui sont en full screen, sur téléphone. Donc il y a toujours un 10% de votants en général sur un stream, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Oui, mais Cyberpunk quand même, mais bon, on n'a pas vu de gameplay, on a vu un trailer. Cyberpunk d'ailleurs sortira-t-il également chez Sony, ou c'est hors de question? Bref, c'est pas fini, Mr. MV. Ils ont annoncé sur Twitter que Spider-Man est un break entre la deuxième et la troisième salle. Ça serait vraiment extraordinaire. Et un petit peu un message fort envoyé en mode non, mais vous savez, nous on fait ce qu'on veut, on est là pour rêver, on est des gamers. Parce que la conférence devait se focaliser sur 4 jeux. Les 4 jeux, on les a vus en l'occurrence. Alors on va aller voir chez ce, je vais aller sur Twitter et on va aller tout simplement sur le compte PlayStation pour en savoir plus. PlayStation. I mean, you try so hard to make a video game that you can get lost in, and then to come to E3 where they actually build your game. Watch the new Death Stranding. The show is not over. See a live demo of Spider-Man PS4 right now. Bah oui, c'est ce qu'on voit. We've got a lot more still to come. Tune in now to PlayStation E3. Oui, mais ça va juste être l'after show made in PlayStation. C'est quoi la petite vidéo qu'ils ont postée? I think we do have a little bit of footage hanging around here, so let's check it out. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Non, voilà, il repasse en revue. Elle est où ma scène, putain de merde? Oui. Oui, non, voilà, on repasse sur Ghost. La plus fluide sur YouTube, du coup, mais plus, avec des couleurs plus délavées, bizarrement. And maybe I don't know Nate or Jason who wants to take this, but it seems like in these moments of gameplay, there's small vignettes of like a classic samurai film in which you really focus in the player experience, Ghost of Tsushima. The visuals, the music, all the cues seem to align in harmony. I mean, that must all be very intentional, I can only assume.
It is a God of War, le New Game Plus confirmé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le speedrun, même si on ne peut pas skipper les cutscenes vu qu'il n'y a pas de temps de chargement, donc vite fait. Écoutez, hein. Alors je regarde le tweet en question là dont je vous parle. Je vais aller sur liveplaystation.com voir ce qui se passe, mais on doit voir la même chose. I mean, yes, there's that quiet before the storm. It's pretty key to On voit exactement la même chose, c'est le live YouTube. And I know that authenticity is something that's tremendously important to your entire studio in this game. Do you want to share a little bit about some of the steps, the great steps? E3 a tweeté que la conférence Sony était finie à 12 minutes. Putain. Allez, on arrête là. J'en ai plein le cul. Allez, vous avez pensé donc que... paf! Que c'est Sony. Visiblement, 712 votants pour Sony, 50% des votes. Qui a gagné le duel contre Microsoft. Ah ouais, la fameuse scène, on peut la revoir également, la scène de ce duel avec les feuilles. C'est vrai que c'est beau, hein. Ensuite, évidemment, on le voit par exemple ici, on n'est pas sur la caméra du jeu, vu que là on suit l'action de manière beaucoup plus cinématique. C'est toujours l'interrogation entre ce qui sera vrai et pas vrai. En tout cas, ouais, une PS4 Pro, à mon avis, sera obligatoire. Pour avoir ce genre de rendu. Ah bah ça rame aussi là. Donc finalement ça a ramé chez tout le monde. Bref. Mais honnêtement, Last of Us par contre. Ah, je vous jure, je vais faire. En plus, j'ai acheté le remastered, hein, il est toujours sous blister. Mais ça, faudra le faire en sub-only quoi. Et puis il y a des jumpscares, non? Mais Last of Us 2, ouais, niveau visuel, physique, lumière, mouvement naturel, les animations et tout, super impressionnant. Très très impressionnant. Bref. Anyway. La meilleure présentation, c'était Devolver, bien sûr. Le storytelling de Devolver, extraordinaire. Bref. Ghost of Tsushima looking mighty, mighty impressive. And should we look at some of that stuff? Yeah, so there's a whole experience here built out for folks here. Il y a une énorme expérience ici. Showcase 3. Quoi? There we go. Look at this. So this was. This is that period of time. I know some of these people. This is the period of time when earlier on, when we had that intermission, we had to make a little bit of time for folks to walk from one part of the experience to the next. So you're seeing shots of that right now. Ah oui, d'accord. Quand ils ont bougé d'un endroit à l'autre, en fait, il y avait tout un dispositif, des décors, des cracheurs de feu. Again, I wish we could just open the un petit décor pour rester dans l'univers PlayStation. 10 million people might be. Mais non, là, c'est on voit juste le chemin qu'ils ont parcouru entre les deux salles. Incroyable. Bref. And Sid, we sneakily got a few more folks in here to join us. D'accord, ouais, ils ont juste plus d'invités, on va passer en revue tout, c'est la bande en cercle. Je vous invite évidemment à suivre les autres lives ou à suivre le live PlayStation si vous voulez plus d'interviews avec. Ah bah tiens, là on va parler de Dreams justement. Car on a les des gens de Media Molecule. Donc voilà, oui, tous les petits interstices, les petits interludes, c'était du Dreams. Troisième salle d'après Game One. Game One a tweeté une troisième salle. Est-ce qu'on doit croire l'E3 ou est-ce qu'on doit croire Game One? Moi je pense qu'il y a une troisième salle qui va apparaître sur Game One et il y a Marcus qui va arriver avec un décor super Marcus World et qui va nous dire salut les petits amis quoi. Attendez, on prend l'info. Il y a un tweet de Marcus là. Non, c'est Julien Tellouk même, troisième salle nous indiquant. On sort de la salle où on avait l'écran géant pour suivre la conférence, sûrement avec les images que vous avez vues. Et là donc on a accès à plusieurs consoles je pense ici. J'ai vu des consoles là-bas au fond. Ouais, c'est pour sur place. En avant-première, à la sortie de la conférence, là-bas je vois du Spider-Man. Il y a Spider-Man qui Julien Tellouk. Toujours présent. Voir,
Donc il y a des petits trucs à manger, hein, bien sûr, pour se désaltérer. Oui, voilà, non, mais ils sont en train de bouffer des saucisses et des crackers. Au Japon, c'est écrit en japonais. À moins qu'on soit à New York, peut-être c'est New York et dans le quartier japonais, je sais pas. Alors c'est du journalisme total, mais. Ici, vous avez voilà, Spider-Man que vous pouvez jouer en avant-première ici. Ah mais d'accord, voilà, il y a des bornes, c'est le coin presse, tout le monde va prendre un verre de champagne et jouer à des jeux. Qu'est-ce que c'est ? Free. Ah putain, ce tweet putaclic. Énorme, énorme. Oh putain, merde, le mec est balèze avec son t-shirt. On avance, on voit s'il progresse vers une troisième salle. Qui dit Japon médiéval dit. Tu sais pas ? What is it ? Oh, what is it ? Un petit ceviche, vous prendrez bien un petit ceviche. Ah. Thank you. Elle a dit sushi, le mot-clé que j'avais dit tout à l'heure. Par contre, vous avez dit ceviche, ceviche, c'est pas le Japon, c'est le Pérou. C'est pas grave. Ok. Qu'il y a une ambiance, alors là, ouais, encore nourriture assez. Bon, voilà, c'est en train de se gaver de petits fours. Alors. Bon, évidemment, on pourrait parler de Dreams. Hein. Dreams, c'est formidable. On peut retourner en direct d'ailleurs. Donc Dreams, un de Media Molecule, les créateurs bien entendu entre autres de Little Big Planet. Le jeu artistique, on va pouvoir faire tout et n'importe quoi, laisser place à notre imaginaire, c'est extrêmement intéressant. Mais le problème de Dreams, c'est qu'il faudrait regarder 10 heures de vidéo pour comprendre tout son potentiel, autant dans la création de jeux que dans la création d'assets graphisme, de musique, de son, de game design. C'est un peu fifou, hein. C'est un peu fifou. On y reviendra un autre jour. Nous avons parlé du décès d'Yvette Turner, toi, nous, évidemment. Qu'elle repose en paix. Allez. Moi, je sais qu'il est en remaster sur PS4, je l'ai. Bref. Allez. Des bisous. YouTube, il est 14h36, au revoir, et il nous restera juste le Nintendo Direct ce soir à 18h, et peut-être du bonus.